Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter donc ma version de la carte pochette que Hélène propose donc sur sa chaîne YouTube, Hélène Scrap. Donc c'est une carte que j'ai réalisée avec les très beaux dies de Hertfeld. Et au niveau des papiers, j'ai utilisé des chutes de papier que j'avais à la maison. Donc vous pouvez voir ici la carte, pardon, a été faite avec le dies Fancy Flourish Border. Très très chouette dies, nouvelle collection qui est sortie cette année. Donc voilà devant comment ça se présente. Et alors, je vais vous ouvrir à l'intérieur pour que vous puissiez voir. Donc ça se ferme avec il y a un aimant ici. Donc, je vais ouvrir ici. Voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai glissé une petite carte. Voilà, donc c'est une petite carte qui va servir pour une scrap copine. Donc j'ai pas encore écrit le petit mot et la publication sera sur ma chaîne que quand elle aura reçu son petit colis. Donc voilà comment ça se présente. Et derrière, voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les dies que j'ai utilisés donc pour faire les fleurs, les feuillages. Je rapproche un petit peu comme ça vous voyez un peu plus les décorations. Bon, ici j'aurais dû décaler un petit peu la fleur, mais c'est pas grave quand on lève un petit peu les pétales. Ça va tout seul. Voilà. Voilà. Alors on sait bien refermer la petite carte. Donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer maintenant les dies que j'ai utilisés donc pour faire toute la décoration. Donc j'ai commencé par utiliser le set Leafy Accent pour faire les beaux feuillages. Donc c'est ceux-ci que vous voyez ici. Donc voilà, ici en dessous. Ce sont donc ceux-ci que j'ai ancrés et ensuite découpés à l'aide des dies que vous voyez ici. Alors, pour faire la décoration avec les fleurs et les petits oiseaux, ça vient de ce set-là, le Tweed Cherry Blossom. Donc là, j'ai utilisé le set complet, donc c'est-à-dire les tampons, les dies et le mold, donc pour pouvoir avoir la branche, les petits oiseaux et les petites fleurs que j'ai découpées, agrémentées de pistil. Et ensuite par-dessus, donc sur les oiseaux, j'ai mis du stickles pour les faire briller. Et alors, ce que vous voyez, le brillant, non, pardon, sur les oiseaux, c'est du glossy accent. Et sur les fleurs et sur les feuillages, c'est du stickles. Voilà. Donc une jolie carte qui fait son effet, je trouve. Donc dans la carte, il y a une pochette dans laquelle vous pouvez... donc Hélène, par exemple, elle a fait ça pour y glisser un billet. Donc si vous voulez offrir, par exemple, un petit billet à un enfant ou un adolescent, c'est plus sympa d'offrir votre billet dans une jolie pochette comme ça que dans une simple enveloppe. Mais moi, c'est vraiment pour y mettre une jolie petite carte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Vous aurez les informations concernant la boutique d'Hélène et le tuto de cette carte de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Bonne journée, au revoir.